Très chers amis, très chers fidèles, très chères communautés, très chers auditeurs, après cette longue pause due au départ de notre maman, j'ai pensé que la meilleure façon finalement de reprendre nos cours, nos selfies Torah, c'était finalement de reparler un petit peu de notre très chère maman. Vous savez, parmi l'océan et les qualités qu'avait notre maman, il y a peut-être plusieurs points qui pourrait immerger de cet iceberg. Il y a tout d'abord sa qualité de savoir prier, la voir faire une tefila, la voir réciter un Birkat Amazon a été pour nous de nombreuses années une grande leçon de morale. Parce que finalement, quand on fait un Birkat Amazon, très souvent, avec l'habitude et avec les répétitions tout au long de notre vie, on perd un petit peu le cachet de cette téfila tellement importante, de cette téfila qui nous donne la parnassa. Et notre maman avait cette qualité de savoir réciter un Birkat Amazon, tout d'abord en s'assurant que la table était propre, puis en s'assurant qu'elle avait un livre devant elle, et en faisant bien attention de répéter mot à mot, lettre après lettre. Et ce n'est pas uniquement le Birkat Amazon, très chers amis. C'était sa façon de prier. Vous savez, très souvent, on prie un petit peu de façon désordonnée, sans livre, dans le tumulte, dans le brouhaha. Il n'en était rien. Pour elle, sa façon de prier, c'était avec un livre, dans une chambre fermée, isolée, et en prenant tout son temps, peu importe l'événement, peu importe la situation, de prier correctement devant le Maître du monde. Et c'est peut-être la première qualité qui peut être pour nous une leçon de morale. Puis il y avait cette façon de savoir bien juger les gens qui l'entouraient. Elle ne supportait pas le Lashon Hara. Elle ne voulait surtout pas qu'on dise du mal sur qui que ce soit. Elle voulait qu'on garde ce regard bienveillant. Et cette leçon de morale aussi est pour nous un grand message. Vous savez, comme je dis souvent à mes élèves, on prend le téléphone, on s'assoit dans une soirée, c'est bientôt l'été, les barbecues, les réunions de famille. Prenons le défi une seule fois, auditeur, auditrice, d'être capable de parler sur qui que ce soit, de ne pas parler, de se retenir, quand bien même des fois les faits sont croustillants, l'envie de parler est agréable, on se retient. On ne parle pas de mal sur qui que ce soit, c'était notre maman. Ne jamais parler du mal sur qui que ce soit. Et puis, ce qu'on pourrait aussi retenir d'elle, c'était sa résistance à l'épreuve, sa façon de ne jamais battre les bras, de ne jamais baisser les bras, excusez-moi, de ne jamais battre en retour ou en retrait, d'être toujours volontaire à vouloir faire encore mieux, à ne pas perdre de la tête ses objectifs, à renforcer ceux qui en avaient besoin. Il y a ici une multitude de leçons de morale. Combien de fois finalement, devant l'épreuve, on baisse les bras? Devant l'épreuve, on oublie nos objectifs. Devant l'épreuve, on est tout faible. Et on est tout finalement déçu et un petit peu dans notre coin. Notre maman, elle, nous a montré cet exemple de ce qui est finalement la force de caractère de pouvoir aller de l'avant tout en finalement ne perdant pas ses ambitions. Eh bien, ces trois points-là, qui sont la tefila, le jugement favorable et la résistance aux épreuves, sont peut-être la première leçon après son départ que nous devons retenir. Et je tenais à ce que ce soit le premier message, le premier selfie Torah, Be'ezrat Hashem, on l'espère, d'une longue série. Je vous dis à très très bientôt et que ces paroles soient à la mémoire de Naomi Bajamila, pour qui tous les auditeurs, nous comptons sur vous, de la mentionner toute cette année jusqu'au mois de Sivan, jusqu'au mois de Iyar de l'année prochaine. Be'ezrat Hashem, les Lunishmat, Naomi Bajamila, Kol Touv, et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux selfie Torah.